Bienvenue dans un petit vlog de Freddy Mix Tattoo. Aujourd'hui, je vous présente la machine Element 2. Vous l'attendiez depuis longtemps. C'est vrai qu'on vous avait fait plein de petits teasers puisque j'en avais qu'une en pièce de démo. Et ensuite, on les a reçus et on se fait plaisir aujourd'hui. Les gens les adorent. Donc, vous voyez cette petite bécane, elle est juste magique. Elle tourne à un faible voltage. Elle arrive dans son écrin, comme vous pouvez le voir, avec les papiers, la carte d'authenticité à l'intérieur. Vous avez tout. Vous avez votre certificat de garantie. Vous avez votre système pour la huiler. Ensuite, elle est très simple d'utilisation. Donc, comme vous voyez, pas de joint à mettre dessus, pas de serrage. C'est en automatique. Et l'RC à l'arrière, il se met juste royalement en haut de la machine. Pour la monter, très simple. Si vous montez des cartouches, vous mettez votre manchon à l'intérieur. Donc, vous pouvez mettre un Slim Bob, par exemple. Après, vous mettez vos cartouches. Mais si vous travaillez à l'ancienne, ça le fait aussi. C'est ça qui est génial. Donc, du coup, vous démontez votre petit système. Ça, vous le faites quand vous avez des aiguilles classiques. Sinon, vous le faites qu'une fois. Vous le ferez pareil que si vous avez un manchon. Attention, pas de manchon Cheyenne dessus. C'est pas le même pas. Okay, vous mettez des Slim Bob, vous mettez des manchons adaptables, mais mettez pas le manchon Cheyenne. Ça va pas le faire. D'accord? Ensuite, pas de batterie non plus sur cette machine. Comme il y a les ressorts, la batterie va s'arrêter. Ensuite, vous mettez votre vis là. Vous récupérez votre aiguille. Vous ne mettez pas de joint d'aiguille. Vous la poussez dedans directement. Et le serrage, il se fait automatique à l'avant. Donc, il n'y a rien besoin de faire. Vous faites votre sortie d'aiguille. Vous serrez là. Blocage. Voilà, on est bloqué. Ensuite, vous récupérez votre RCA. Vous le mettez en haut, comme ça. Voilà. Après, vous mettez à peu près 6,5. C'est très bon. 6,5, 7, ça suffit largement. Après, si vous êtes un foufou, du blackout, des trucs, vous pouvez monter un peu le voltage, mais il n'y aura pas vraiment besoin. Vous allez le voir au son de ma machine. Voilà. Pour moi, elle tourne juste top. Vous voyez, en fait, le rebondi de l'aiguille, on est juste bien. Pour moi, il n'y a pas vraiment besoin de quoi que ce soit. On a un petit truc en silicone. Vous voyez, regardez. Vous entendez la machine, comment elle claque déjà? 6,5 sur mon voltage. Vous montez, vous voyez? Je la monte à 7 volts, elle est déjà en train d'hurler. Franchement, même à 6 volts, elle bosse. Hein. Même bien. Hein. 6 volts. Vous prenez des grosses aiguilles du 11 liner, 9 liner, 14 liner, il n'y aura pas le choix. Hein, pour avancer très doucement comme ça. Pour moi, cette bécane-là, elle est forte. Merci à vous de me suivre dans les vidéos. Je vous souhaite du courage pour les moments difficiles qu'on passe en ce moment. Voilà, vivement la rentrée, ça va le faire. Soyez positifs. Merci de nous suivre. www.freddymixtattoo.com et aussi le 06 95 16 11 00. On reste à votre disposition. Merci à vous et passez une belle journée. Bye.